Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais préparer des hamburgers au poisson style long fish. Donc, je vais la préparer et je vais vous montrer ça en détail. Donc, là, dans un premier temps, on va préparer le levain. Donc, on va mettre 300 g de lait. Voilà. On va mettre 20 g de sucre. Et on va mettre la levure fraîche. On va mettre 20 g. Aussi. Et on va mettre 2 minutes, 37 degrés. Vitesse 2. J'ai pas mis celui-là. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sécurité. Donc, on ne peut pas actionner le robot tant qu'on n'a pas mis le couvercle. Donc, vitesse 2. Donc voilà, les 2 minutes sont passées. Donc là, on va ajouter la farine. On va mettre 500 g de farine. Donc 500 g de farine, on met 10 g de sel, on va ajouter notre beurre, on va mettre 70 g de beurre. Voilà, donc 70 g de beurre. Et on va venir pétrir 3 minutes. Donc voilà, les 3 minutes sont passées. Donc on a une belle pâte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un saladier. On va laisser reposer 1 heure. Et je vous montrerai la suite. Donc elle n'est pas collante hein, la pâte. Elle est bien élastique, mais elle n'est pas trop collante. Donc voilà, à tout à l'heure. J'ai gazé la pâte. J'ai divisé ma pâte en plusieurs boules. Donc je vais prendre une boule. Je vais venir rouler en boudin. Donc on va bien l'allonger. Et on va venir aplatir. Pour donner la forme du pain, on va relaisser poser une demi-heure une fois que tous les pains sont faits. Donc là les filles, vous venez badigeonner d'œufs.
Donc, une fois que vous avez mis le jaune d'œuf, vous mettez des flocons d'avoine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des sésames. Ah, et j'ai oublié les filles, il faut venir inciser là tout le long. Vous pouvez le faire avec un couteau.